L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. On n'est pas gelé. On n'est pas gelé. La garde nationale du Québec! Allô tout le monde! Hello. Comment ça va? Crise de pub. Cette pause publicitaire est une présentation de Cracker Jack. Je l'ai jamais vu. Il est décédé assez, Jimi Hendrix. Yeah. Je la comprends. Elle est déjà vieille de deux semaines, Frank. Fait que, cligne des yeux, puis t'en as manqué une. Exactement. Ben, deux semaines, cligner des yeux, pas sûr, mais ouais, c'est vrai que ça va vite. À l'after show, je ne l'ai pas vu, puis je n'ai pas vu ailleurs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh oui, 28 octobre, mettez ça à votre calendrier Inda, parce que 28 octobre, on va se clencher l'essentiel de l'œuvre de Wes Craven, bien sûr, et non, il n'y aura pas le reboot, non. Il n'y aura pas Freddy contre Jason parce qu'on l'a fait l'année passée. Fait que ça donne 7 films, je pense. Et on les a toutes. On est toutes prêts. Ça va tout être en française. Puis, c'est une organisation qui s'occupe de ces affaires-là. Là, qui nous a arrangé ça. Non, mais c'est meilleur. Les autres chances sont là pour s'occuper de ces affaires-là. Non, là, OK. Là, on va régler ça tout de suite. Il n'y aura pas Freddy contre Jason. Il n'y aura pas le reboot. Il n'y aura pas les films que Freddy n'est pas dedans. Il n'y aura pas les cartoons. Il n'y aura pas les livres. Il n'y aura pas les t-shirts. Il n'y aura pas les tasses. Il n'y aura pas. C'est juste les films, les amis. Pas la version Lego, pas la version. Non plus. Il n'y aura pas la version Lego. Il n'y aura pas la version animée. Y aura, non, c'est juste des films. C'est les 7 films. C'est tout. Non, il n'y aura rien d'autre que ça. Il y a des films de Freddy que Freddy n'est pas dedans? Non, mais il y a un film qui s'appelle, je sais pas trop, Wes Craven's Nightmare, machin. Ah ouais, le dernier cauchemar de Wes Craven. Ouais, c'est ça, je sais pas s'il est dedans. Non, enfin, que oui, je pense que c'est le vrai aussi. Bon, écoute, moi, regarde, la version regarde Chris, c'est pas compliqué, on regarde les films que Freddy est dedans, à part ceux que j'ai dit. C'est on va y aller de même. Bon. Nomme-les. Hein? Nomme les films que tu vas jouer à place. Non, pas aller plus vite. Fait on qu'on a assez parlé. Ouais, c'est ça. Là, on a fait pas mal. Je pense qu'on n'a pas fait. Non, il n'y aura pas la version porno non plus. Il n'y aura pas la version. Il n'y aura pas la version floutée non plus. Gorg, il n'y aura pas la version comédie musicale de Bruce Springsteen, de Freddy. Non, il n'y aura pas non plus. Comédie musicale de Broadway. Ouais, avec les The Cats, là, les chats. Ouais, il n'y aura pas Freddy the Musical, an original masterpiece by Bruce Springsteen. Non, on ne le pense pas. Fait que, oui, voilà, ouais. Puis, je peux déjà dire qu'il est fort probable que l'année prochaine, ça va être Halloween, parce que, écoute, Mike Myers, on peut pas le laisser tout seul dans son. On ne laisse pas Mike Myers dans un coin. ouais, c'est ça. Puis, il est venu au monde, il existe. Oui, le mime. Ça a donné la. L'affiche. Voilà, l'affiche de l'after show, bien sûr. Et je parle évidemment de Mario Roy, Man of Me. Bon, là, Denis, son nouveau piton. Ça va durer 4-5 jours. Je veux juste être certain qu'on peut le faire. Ouais, non, tu sais, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de danger. C'est safe for work, OK. Oui, il n'y a pas de problème. OK, en plus, ça dure 35 secondes. Là. Bon, voilà. Lucie. Ah, il y a Lucie sur le chess, par exemple. Ça, c'est pas pire. Mais donc, voilà. Man of Mystery.
Ouais, puis là, ben, ouais. Écoute, on, à cause du. Bah, le voilà, qu'il est beau. Regardez ça dans toute sa splendeur. Un marathon de dirty c'est dancing. Mario Roy, Man of Mystery. Oh. Comment j'ai écrit ça? J'ai envoyé cette affiche-là à quelqu'un. Il dit, puisqu'il a évité une guerre civile, qu'il a été négociateur, a exposé la traite d'enfants de la DPJ et parce que sa vie est constamment en danger, Mario Roy, Man of Mystery. C'était incroyable. Oui, Joël, on a. Tu sais, peut-être que tu as manqué l'édition du crachoir de ce soir, mais on a. Il n'y a probablement pas grand-chose que tu pourrais dire sur ces procès dont on n'a pas parlé. On a fait un heure là-dessus, je pense. Le play-by-play, écoute, la version René Lecavalier de son procès, on a fait ça dans l'épisode 264 qui, dans quelques minutes. Non, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Alors, voilà, allez écouter ça si vous ne l'avez pas. Pas entendu. Autre chose dont nous devons parler, les amis, c'est que, en fait, je veux faire pas un mea culpa parce que moi, je ne l'avais pas vu à l'époque, mais c'est la fameuse annonce à l'effet que Gloriane Glo-Glo Cunégonde, elle veut devenir coach de vie. Bien, ça date un peu. Ah ouais. Ça date un peu. Ouais, mais c'était passé quand même, c'était passé relativement sous le radar, je dirais. Parce que ça date de quelque chose comme 2022, je pense. Mais c'est quand même assez débilisant quand on y pense. Si tu veux la montrer, Bourbon, là, on va aller lire ça. Tiens, Frank, il va pouvoir nous narrer ça. Si, t'as un peu, ça, j'ai pas ça. T'as un peu. Fais-moi du temps. Tu m'as envoyé ça à l'endroit d'habitude? Ben oui. Pourquoi j'ai pas downloadé ça, moi? Puis écrit pour ce soir et avec la description. Écrit pour ce soir avec la notion urgent. Ah, OK, non, dans l'autre discussion. OK, oui. Ben excusez. Écoute, oui, là, ça concernait le show d'aujourd'hui. Oui, non, c'est parce qu'on en a deux, trois, là. Fait que l'autre était ça, dans une autre discussion. Non, c'est ça, c'est correct. Oui, ben non, c'est ça. Elle avait déjà, je ne sais pas. Au niveau logistique, je ne saurais dire. À quelle date ça correspond par rapport à, évidemment, sa radiation pendant 22 ans? C'est-à-dire après 22 ans, plutôt, parce que c'est 8, je pense que c'est 8 ans, sa radiation. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trop de drôle que ça. Je l'ai devant les yeux. Non, je suis en train de briser. Je suis en train de briser. Chris vient de l'ouvrir. OK, préparez-vous. OK. Ah oh, ouais, non, Frank, si tu... Moi, je peux le lire. Frank, si tu veux nous faire... oui, tu peux nous narrer ça, s'il te plaît. Ça date... Exactement, Liu. Non, mais ça date du 12 mars 2022. Fait que c'est pas d'hier qu'elle a des vues sur le coachisme. Alors, Frank, si tu veux bien. Oui, je vais le faire. Puis juste pour te faire mentir, parce que tu dis que maintenant j'ai juste une voix d'imitation, je vais en faire une différente. Je veux pas! Non, c'est pas ça. La version féminine. Je vais probablement offrir mes services en tant que coach de vie, ce qui inclut la lecture de vos guides et le partage de mes ressentis pour votre parcours sur la Terre. Je vous reviendrai là-dessus lorsque j'aurai déposé la procédure d'appel au tribunal des professions. Afin de vous accompagner à ce niveau de dimension, à ce niveau de conscience, il est préférable qu'il y ait le moins d'énergies basses autour de moi. Je vous reviens donc sur cela. Ah oui, pour vous inscrire à une liste d'attente pour cela, vous pouvez m'écrire à Glorian Blair at de raison encore lisse en écrivant comme sujet liste d'attente avec vos coordonnées dedans le courriel. Je ne donnerai aucun conseil juridique. Mais non, t'as pas le doigt. Pas pour ça. Elle a pas le doigt. Elle a pas le doigt, mais elle a le doigt. Hein? Elle a le doigt sur son texte. Il y en a une maudite gang hein, qui ont ça, des adresses qui retombent au mail, là, parce que ça a l'air, c'est supposément plus sécuritaire et oui. Tout. Là. Merci, Flameheart. Que oui, merci. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a de si spécial, les adresses qui retombent au mail, là, mais en tout cas, il y a plein de monde qui ont ça. Là, ça a l'air que... Ça oh yeah, les chats contre-attaquent! Ça doit être en Russie. Quand t'es une woman of mystery, là, il faut que tu protèges tes données. Glow! Oh! Oh!
Marianne. Fait que c'est ça. Si jamais vous êtes en perdition, si vous êtes en totale perdition et que vous avez utilisé, fait usage de toutes les ressources que la Terre et l'univers possèdent, ben il y a toujours la possibilité. D'ailleurs, dans une publication similaire, elle mentionnait également qu'elle comptait offrir des cours gratuits de méditation. Toi, mon ami, qui ne sais plus vers qui te tourner. Oui, mais Gloriane est là pour toi. Tu sais, c'est pas pire pareil. Je vais te donner des cours de méditation. Moi, je vais vous en faire un. Gardez ça. À soir, là, sortez vos clips. Là, je vous fais un cours de méditation. Je vous le fais direct là. Non, mais tu vas voir ton bonhomme. T'as juste à méditer que tu l'as encore. Ça va bien aller. OK? Un cours de méditation, là, façon Godette. Femme. Ta gueule. Ah, c'est une étape, hein? Ah ouais, t'es en train de méditer, ferme ta gueule. Ouais. Frank, il pense à quelle voix il pourrait prendre pour faire une imitation, puis il est pas capable. Non, je suis en train d'essayer de m'imaginer méditer, puis je... Non. Non. Ouais. Vous avez remarqué, hein? Il y a une personne qui a pas été capable, c'est Frank. Ah oui, méditer, moi. Ah, quand même que Creton Mail serait, écoute, au Brunei, ou pas de ce que ça a de plus safe que juste faire attention à ce que tu fais puis pas ouvrir de mail de chat. Ouais. Mais jamais rien arrivé, moi. J'ai le même courriel depuis des années, puis avec un mot de passe. Qui est vieux? Dans le temps qu'on mettait pas des pourcents, des caractères, des hiéroglyphes puis des runes dans nos passwords pour pas qu'ils se fassent hacker. Mais moi, j'ai un vieux password bien simple, puis jamais rien arrivé. J'ai Hotmail là, dans mon adresse. Ben non, mais écoute, moi j'ai une adresse là, qui commence par Martin Godette. Je suis vieux. Voilà, moi aussi j'ai mon nom. Je suis d'un premier. Non, tout mon nom, je suis le seul sur cette plateforme-là à l'avoir. Chris, je me suis fait une adresse le lendemain qu'ils ont inventé l'Internet. C'est pas compliqué. Il était un bout de temps, je faisais ça à peu près avec tous les nouveaux services. T'sais, à l'époque, là, on était, mettons, sur MSN, là, après les 22 affaires avant. Là. Fait que là, j'avais Denis Germain à MSN, j'avais Denis Germain à Hotmail, j'avais Denis Germain à Vidéotron, Denis Germain à Yahoo, Denis Germain. Je les ai toutes. Puis là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand je dis au monde mon adresse Gmail, t'sais, là, je dis pas de point. Pas d'underscore, pas rien, là, juste ça. Là. Ah ouais, pas de 69 à la fin, pas de niaiserie. Ah. Là. Moi, tout, j'ai un Frank Pocket, puis c'est pas genre Ladies Man. Ben. Oh non, écoute, ça c'était tellement drôle parce que quand on a commencé à pouvoir utiliser l'Internet quand je travaillais en informatique, OK? Ben là, il disait, on t'apprend à installer l'Internet. Tu sais, comme si c'était une espèce de thermopompe, là, tu sais, là. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais. Puis, des histoires à coucher dehors que j'ai eues, c'est hallucinant, là, tu sais. Je vendais, moi, à des compagnies, mais on vendait des fois à des particuliers. Ouais, puis là, tu me mettras la disquette de l'Internet aussi, là. La disquette de l'Internet. Ça a commencé en boiron, Internet, là, au début. Mais attends, la réelle histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est que. Fait que là, ils ont installé l'Internet puis ils ont dit, garde, on n'a pas de. Tu sais, là, dans ce temps-là, là, quelqu'un qui te disait, ouais, mais t'as-tu un autre domaine puis on pourrait se monter un mail server? Tu sais, t'étais. Écoute, t'étais. Oh, ouais, non, c'est ça, là. T'avais 800 de quotient intellectuel pour les autres. C'est comme toi, Star Trek, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que là, ben, à job, tu sais, le boss de où c'est que je travaillais, c'est une petite compagnie, tu sais. Puis il dit, non, mais y en a-tu ici qui en ont déjà des adresses courriels? Ben, utilisez ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais mon adresse Martin Godette, tu sais, que j'avais déjà créée. Mais tu sais, les deux travaillaient avec moi, tu sais. Hot Pussy 69. Ben oui, c'est tout des noms de professionnels. 69. Je leur disais, là, t'es pas en train d'envoyer des soumissions à des clients avec cette crise d'adresse de sans dessin là. T'es pas sérieux? Ben quoi, ils ont dit de prendre nos adresses. Ben, come on, ben oui, fais-toi un autre, là. Fais-toi une adresse d'adulte, là, tu sais. Ça n'a juste aucun bon sens. Big Dick 22. C'était toutes des hosties de cochonneries. Je sais que c'était niais.
Tu sais, fait que t'envoies un bid à quelqu'un, tu sais, 20-25 PC, l'installation, tu sais, un serveur, un print server, tout ça. Ouais, hey, je viens de recevoir la soumission de Big Dick, là. Non, mais tu sais, imagine, le gars, il est premier ministre, puis là, il dit, ah oui, là, ben, envoie ça à mon courrier, c'est gros chat, 69, pas vendu. Ouais. Ça n'avait pas d'allure. Mais tu sais, c'était surtout les gars qui avaient des adresses caves. Les filles avaient des adresses cute, il me semble, genre Mimine. Ouais, non, c'est ça, c'était des, c'était des animaux, là, tu sais, Mimine, tu sais, Moufette. Ouais, il n'y a pas eu qui aimait gros tonton à Hotmail. Non, non, c'est Moufette. Cave, Moufette 69, là, pis t'sais, des affaires de même. Ouais. Mais... Ouais. Cerise. Mais c'est les noms les plus. Ouais, licorne. Les noms, ça me fait penser à quelque chose. Les noms les plus épais, pis de référence de pénis, pis de cours d'école, là, c'était les gars, là. Ben, j'ai reçu un mail. HTML, genre 85. J'ai reçu un mail à un moment donné, moi, de quelqu'un, puis j'ai jamais pu trouver c'était qui. Ça s'appelait, son adresse de courriel, c'était à Gmail, c'était Mario Man of Mystery. Oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est parce qu'il travaille pour un organisme, là. L'organisme qui s'occupe de ces affaires-là. Point com. Hey, moi, sérieux, je pense que je vais lâcher ce nom de domaine-là. L'organisme qui s'occupe de ces affaires-là. Point com. C'est long un peu, mais je trouve ça très long. Ouais, ça se courait à côté, je te dis. Un acronyme, voyons donc. L'organisme qui s'occupe de ces affaires-là. Pour vrai, tu sais, c'est genre service de consultant en entreprise. On fait tout. On fait tout. Qu'est-ce que tu veux? Non, tu veux Internet? Tu veux un nouveau frigidaire? Tu veux un nouveau fournisseur de bière? On fait tout. On s'occupe de ces affaires-là. Tu veux arrêter les guerres civiles? Appelle ici. Non, mais tu sais, ils disent ouais, mais c'est quoi vous faites? Ben, c'est, qu'est-ce que vous avez besoin? Ah, oh, j'aurais besoin de reparamétrer. Ah, ben, on fait tout ça, ces affaires-là. Ah, OK. Puis aussi, il faut que je commande, tu sais, il faut qu'on renouvelle notre groupe électrique. Ah, ben, on fait tout ça, ces affaires-là. Fait qu'on pourrait répondre ça à tout le monde, puis faire du cash. On livre pas. L'OQODCAL. Look at the cal. Oui, ouais, Martin, vas-y. Look at the cal. 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 Les gars, ça arrivera pas. Ah. Fait que la. Non, ouais, l'autre, si on enlève les articles, les deux, puis les, tout ça, là, c'est bien moins compliqué. Là. L'autre tendance lourde qui se passait souvent avec les adresses de courriel de filles, par exemple, c'était leur surnom. C'est-à-dire? Ben, tu sais, comme, je sais pas, moi, tu sais, une fille. Que, ben, moi, Josette, mettons, là. T'sais. Ben non, tu sais, Isabelle, Dibelle, avec sa date de naissance, tu sais, des affaires de même. Ça, c'était la grosse affaire. Sur Messenger, à l'époque, là, le vrai Messenger, pas le Messenger travesti de Facebook, là, ouais, c'est ça. MSN. Ça, c'était une belle. Un instant, là, il y a des gens qui vont se demander pourquoi il y a une crise de pub qui part, parce que j'ai seté quelque chose qu'à chaque fois que Cracker Jack va mettre sa bannière, ça lance une série de publicités. Fait que pour les gens qui sont pas abonnés, si vous êtes à tabarnak, écrivez à Cracker Jack. J'aime ça. J'adore ça. J'adore ça. Non, ça, c'est... Écoute, ça, c'était la belle époque, ça. Le flirter sur Messenger. Flirter sur Messenger avant Facebook, là, c'était comme le giga upgrade de ICQ. Là, c'était comme wow. Oh, ICQ. Oh, ouais, ça, là, c'était comme... Tu sais pas à qui tu parlais, hein? Tu passais d'une Pinto à une Cadillac, là, tu sais, vraiment, là. T'arrivais dans le chatroom, puis tu parlais à quelqu'un, tu sais, ça pouvait être n'importe fucking... Sur ICQ, ben, ouais, c'est fou, là, c'est débile. Tu pouvais puncher, mais ouais, il y a Do You Look Good? Oh boy. Ouais, Badou, que tu sais, tout le monde a une histoire sordide à raconter au sujet de Badou, principalement les dames, là, moi, j'ai... Toutes les fois que j'ai parlé de ça avec une fille, mettons, c'est quoi? Ah non, il y a du creep là, en tabouin. Là, sur j'ai jamais été assez célibataire pour essayer ces affaires-là. Mais c'est non, mais toi, t'es une blonde depuis que t'as 4 ans. Là, fait que c'est sûr que t'es au Badou. MIRC, ouais. L'autre que tu swipes, là, ouais, MIRC. MIRC, ouais, ça, c'était la... Puis Usenet, puis toutes ces affaires. Il y avait des affaires, c'était épouvantable. Et puis là, c'était Skynet. Ouais. Oh, attends, je l'ai manqué, celle-là, parce que ça aurait été parfait. Oui, ça, oui, il y a plein. Ça, c'est un autre mot, juste de bon point, ça. Ah, tu vois, garde. On parle des adresses e-mail, des nicknames de filles. Tu vois, garde, Nigel Black en direct de Tête Furde.
Elle dit, mon premier nick sur ICQ, c'était Nocturne. Oh. mais non, c'est sûr. Oh, non, mais il y a des affaires bien, bien discutables sur les sites de rencontres, c'est sûr. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait puis que tout, là, c'est pas ça, mais il y en a desquels j'ai entendu parler plus souvent que d'autres. Puis c'est ça, je racontais. Hey, ça, là, je pense que ça pourrait faire un numéro d'humoriste, ça. La première fois que j'étais allé dans un GT d'un site de rencontre. Ben oui. Il y a des GT de groupe Facebook, il y en a pour des sites de rencontres, certains. OK. C'était sur Zoom, genre, c'est comme du speed dating? Non. C'était les je vais le compter. Je travaillais pour une compagnie informatique qui a acheté un site qui s'appelait Web Séduction. Puis la compagnie qui possédait ça, on l'a acheté, la compagnie pour laquelle je travaillais, puis on m'avait mandaté à être l'espèce de point de l'espèce d'agent de liaison avec eux autres, puis il y avait du stock à s'acheter, fait que c'était par moi qui passait, fait que c'était comme la main gauche, la poche gauche, poche droite. Puis un des propriétaires me dit, hey, merci le brut. Un des propriétaires me dit, on dîne ensemble, puis il dit, hey, dis-moi, t'envoyer un username, un password, t'es célibataire, toi, t'essayeras ça, Web Séduction, c'est un de nos sites, blablabla. Puis là, dans ce temps-là, là, réseau contact, ça n'existe pas. Do you look good, ça n'existe pas. Là, ça a l'air. Imaginez-vous un site de rencontre, genre GeoCities, là. OK? On est là. OK. Tu sais, le chat là, pour parler avec le monde live là, qui sont sur le site, il faut que tu fasses refresh pour voir les messages. Donc, on est loin. On est loin de même. Là. On est loin de même. Fait que j'embarque là-dessus. Puis là, ben, c'est bien le fun. Puis j'ose avec du monde. Puis toute la kit. Puis là, tu sais, au début, tu connais pas ça. Tu deviens un peu simili-addict. Tu arrives chez vous. Ah, ben, checker ça. Tu sais, bon. Puis là, ben, je me fais des amis, des chums de filles, puis tout. Ben, là, tu viens-tu au GT? GT? C'est quoi ça, un GT? Ben, Get Together. Ah, ouais. On check ça. Finalement, j'y vais. C'est un salon de billard, tu sais. C'est dans une salle de poule, tu sais. C'est pas mal cool. Puis là, il y a la fille qui organise ça, elle est là. Puis, tu sais, tout le monde va la voir. Puis, tu sais, ils en ont fait plein. Mais, tu sais, tout le monde s'appelle de leur nom, là. Fait que, tu sais, salut. Ah, ben oui, c'est sûr, parce que là, des fois, il y a des chat rooms là-dedans devient, aussi. Ouais, mais oui, salut, moi, c'est Bessic23. Hey, yes sir, Bessic, comment ça va, toi? T'sais, c'est comme... Mais tu sais, non, mais on le vit encore aujourd'hui. C'est juste pas un site de rencontre. Tu sais, il y a du monde qui vient au musée que je connais de Twitch. J'appelle leur nom de Twitch, là, tu sais. Oh, oui. J'ai aucune idée c'est quoi leur vrai nom, ce qu'ils font dans la vie. Tout, en tout cas, Bessic23, c'est un moteur, je te dis tout de suite. Non, c'est une fille. Mais mon puis elle était pas, je peux te dire que c'était pas. OK, c'est vraiment quelqu'un qui s'appelle même, OK? Oui. Puis j'ai toujours utilisé BICIC23 parce que c'était ça son nom. BICYK23. Mm-hmm. Fait que, regarde. Salut BICIC, voilà. Salut BICIC. Mais c'était vraiment comme. C'est la première fois que. C'est ma première expérience IRL qui venait du virtuel. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. Puis c'était vraiment, je m'en rappelle très, très bien, j'étais dans la vingtaine, c'était vraiment weird. Là. C'était vraiment weird. Puis je suis retourné une couple de fois, puis... T'as-tu déjà conclu? T'as-tu déjà cliqué avec quelqu'un? Un gentleman, ça parle pas de ça. Fait que... ça veut dire non. Fait que... tu penseras bien ce que tu veux. Fait que... mais c'était pas mal capoté. Puis là, regarde, tu vois, aujourd'hui, là, je veux dire, des get-together de groupes, de communautés sur Internet. Il y en a une en ce moment quelque part à Montréal à soir. Là, mais dans ce temps-là, c'était comme... Ah, ouais, capoté. Ça, puis le poker. Du monde qui organisait des games de poker chez eux quand la frénésie du poker a parti, puis que Facebook a commencé à exister pour de vrai. Là. C'est fou raide, là. T'arrivais le vendredi soir, hey, y a un gars, là, il fait une game, puis tu sautais dans ton char, t'allais te pogner un six-pack, débarquais chez un dos, nowhere, si tu jouais aux cartes. C'était comme... Illégalement. Ben oui, c'est sûr que c'était pas... C'est comme les raves, là, tu sais, si tu savais la dernière minute, puis... Ça n'a... C'est bien gros sur Internet. Il est où le rave à soir, puis là, tu l'apprenais à la dernière minute, puis... C'est toujours illégal en passant, si tu organises un jeu de hasard et d'argent chez toi. C'est... Ben oui. Pax Plante va débarquer avec la brigade de la moralité! Non, c'est pas l'Auto-Québec, t'as pas le droit. Je niaise. Hey, on va complètement changer de sujet, même si elle aussi, c'est un nickname de Get Together, là, mais Ramona du Dildo.
Hier est sorti un article sur Radio-Canada à l'effet qu'il y avait eu des manifestations et j'ai vu le meilleur surnom que j'ai. Ben, Ramona du Dildo, c'est pas payé. C'est dur à battre. Ouais, c'est dur à battre, mais. Ouais, il y a une madame qui s'est présentée pour une manif, une centaine de personnes, il y a 118 habitants, by the way, à Richmond, là. Une centaine de personnes qui ont sillonné les rues de, fait des tours de, un tour de machine dans Richmond, en klaxonnant, puis en manifestant. Puis, il y a une madame qui avait, sur sa pancarte, c'était écrit « Romana Delusion ». C'est superbe. Parfait. C'est ah, superbe. Ouais. C'est vraiment superbe. Ça puis oui, Gilbert, t'es en train de nous voler le punch parce que notre ami à tous, Sissi Suburban, est allé chercher ça et on va vous présenter ça ce soir. Parce que puis en plus, il y a Christine Sartechi là-dedans, puis c'est en ce moment, c'est pas mal la référence en matière de Ramona ou Romana, ou appelez-la comme vous voulez. Comme on disait, nous, on risque de pas en apprendre tant que ça, parce qu'on les connaît peut-être, on en sait sûrement plus que ce qui va être dit dans le documentaire, mais c'est intéressant de voir comment monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse pas au fait qu'on se pie plus que ça, ben vont faire connaissance avec leur nouvelle reine. Ouais, il y a quand même... It's just a delusion. Non, c'est ça. Puis le bout avec Christine qui va probablement nous apprendre un point de vue d'une professionnelle dans le domaine. Exactement. Fait que là, je vais faire un petit peu de magie. On va l'écouter. Ah, ouais, il peut suppler, maudit maillet. Romana Di Dullo menait une... Avant qu'on le parte, ça dure 10 minutes, mais avec nous autres, ça va prendre une demi-heure avant qu'on arrive au bout. Ça devrait être popé. Romana Di Dullo menait une vie paisible et sans histoire en Colombie-Britannique, jusqu'à ce qu'elle s'autoproclame reine du Canada, ni plus ni moins. En relativement peu de temps, cette simple citoyenne sortie de nulle part est devenue une figure bien en vue de la mouvance conspirationniste. Des milliers de personnes ont adhéré à son discours, tout en obéissant aveuglément à ses directives. Mais là, la réalité les rattrape et c'est brutal. Jeff, avant de parler des dérives de cette mouvance-là, campons le personnage de la reine du Canada, entre guillemets, Romana Di Dullo. Qui est-elle? Elle sort d'où? C'est un peu difficile à savoir parce que bon, tout ce qu'on sait sur elle, c'est selon ses propres dires et c'est pas une personne qui est super fiable, mais selon elle, là, bon, elle est née aux Philippines, elle a déménagé au Canada alors qu'elle avait une quinzaine d'années. Ses parents étaient décédés, donc elle est venue habiter au Canada avec des membres de sa famille. Semble avoir eu une enfance quand même assez difficile. Elle a tenté de s'incruster dans le monde des affaires en Colombie-Britannique au courant des années 2000. Mm-hmm. Et puis là, elle sort tout d'un coup en 2020 pendant la pandémie. Elle crée, selon elle, là, un parti politique. Bon, créer un parti politique, il n'a jamais été enregistré officiellement auprès d'Élections Canada, mais le parti politique Canada First Party. Elle crée son site web. Et puis là, quelque part au début de 2021, c'est là qu'elle commence à s'autoproclamer premièrement, chef d'État du Canada et ensuite, la reine du Canada. Donc, elle affirme qu'elle est en fait en charge du gouvernement canadien. Et que le gouvernement canadien n'a aucune légitimité, tout comme les lois qui existent, tout comme les forces de l'ordre. Bref, c'est elle qui mène. C'est ce qu'elle dit à ses adeptes. Bon, sa philosophie, là, c'est un peu un mélange de plein de courants conspirationnistes bien connus. Il y a beaucoup de QAnon là-dedans. On en a déjà parlé à l'émission. Il y a de ça. Elle a aussi greffé à ça certains éléments du mouvement citoyen souverain. Donc, elle va sortir des éléments comme elle affirme que le gouvernement du Canada n'existe pas, que c'est une corporation et que selon la loi maritime, c'est elle qui est en fait la chef d'État du Canada. Donc, toutes sortes de réinterprétations de la loi. On en a déjà aussi parlé à l'émission, mais c'est une sorte de façon de remettre en question toutes les institutions en se basant sur des interprétations complètement fausses de la Constitution ou de certains éléments de la loi canadienne. Oh. Donc, c'est comme un gros mélange de tout ça ensemble. Donc, Jeff, dans toute sa mythomanie... Grosse soupe de merde. ...a créé, comme tu le dis, un parti politique. C'est un des gestes qu'elle a posé, mais c'est pas tout. Comment elle a pu éclore comme ça dans cette sphère-là? Ça a beaucoup passé par l'entremise de Telegram, ça. Donc, c'est une application de messagerie qui est
presque pas modérée, c'est une application russe. Et elle a comme comblé le vide. Donc, c'est notre collègue Mac Lamoureux de Vice qui a fait ce parallèle-là en disant que, bon, Q, le personnage central de la conspiration QAnon, a arrêté de publier. Il a cessé de publier les drops. En fin 2020. Là. Exact. Et puis là, début 2021, t'as Romana qui rentre en scène, qui comble un peu le vide, qui s'est placé, probablement par pur hasard, je dirais, là, s'est placé un peu comme personnage de rechange à Q. Il y a plusieurs observateurs qui disent que ça ressemble de plus en plus à une secte. Donc, les gens qui se greffent à ce mouvement-là vont s'habiller tout en blanc. Ils vont souvent se déconnecter de leur famille. Ça fait là maintenant quasiment un an qu'ils se promènent en véhicule récréatif partout au Canada. C'est ça qu'elle donne. On a parlé nous-mêmes des coffee crips à des gens dont les membres de la famille sont tombés dans ce mouvement-là. Et ce qu'on nous raconte, c'est essentiellement la même chose. Tu dis pareil comme Pierrette. La personne tombe là-dedans et puis là, il y a juste ça qui existe comme vérité. Non. Elle ne veut plus parler à sa famille ou les liens avec la famille sont rendus très difficiles. Crisp, parce que la personne veut juste parler de la reine Romana puis elle se déconnecte complètement de la réalité. Il y a aussi des risques là, un peu plus immédiats, c'est que Romana Dudulot dit à ses fidèles de cesser tous les traitements médicaux parce qu'elle a dit qu'elle a de la technologie extraterrestre pour qu'ils sont capables de régler tous les problèmes de santé. Donc, on voit là, des personnes qui décident de cesser leur traitement, par exemple, pour le diabète ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même un risque très présent. Ah, ouais. En 2021, elle avait appelé, par exemple, ses fidèles à tirer pour tuer toute personne qui donne des vaccins contre la COVID ou qui font la promotion des vaccins. Elle avait même été arrêtée par la GRC et amenée, selon elle, passer une évaluation psychiatrique en Colombie-Britannique. Elle a été relâchée par la suite. Il y a un de ses fidèles qui a quoi, été c'est arrêté. C'est bien ce qu'on pensait, t'es bel et bien folle. Tu peux partir. Non, mais pèse donc, tu poses juste une seconde. Tu sais, tantôt, quand je parle tout le temps d'impunité, là, puis que ça n'a pas de bon sens, puis que tout le monde peut à peu près dire ou faire n'importe quoi, elle dit carrément dans une communication qu'elle considère formelle de sa cossin, de shoot to kill anyone who administers vaccines. Ouais. C'est un décret. Puis là, elle a été arrêtée. Ils ont vérifié son état psychiatrique, puis elle a été relâchée. C'est ça. Attends. C'est tout. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de menace de mort, il n'y a rien. Elle vient de faire la même affaire à Richmond, en Saskatchewan. Les résidents manifestent. Elle a dit qu'elle était pour exécuter publiquement les personnes qui ne se plieraient pas à leur désir de whatever the fuck. À ses décrets royaux. Il n'y a rien. C'est ça, je me disais, OK, bon, ben, t'es folle, c'est beau, tu peux partir. Ouais, mais elle a quand même menacé, là, puis elle menace encore parce que c'est dans le fond, précisément, ce qu'elle a dit au monde de Richmond, c'est que il pourrait se retrouver condamné à mort quiconque ne respecte pas ses décrets royaux. Ses décrets, ben, ça, c'en est un. Puis j'en ai lu pas mal la semaine passée, toutes les affaires de fous, là. Oh ouais, mais tu sais, on sait que. Ben non, mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font, les autorités, ici, boire? Ils permettent à peu près à n'importe qui de poursuivre à peu près à propos de n'importe quoi. Ils engagent des frais publics là-dedans parce que c'est ça, ils ont droit. Moi, j'ai-tu le droit de vivre dans une société où est-ce qu'il n'y a pas de cinglés qui disent au monde de me tirer dessus s'ils me voient donner un vaccin à un enfant ou amener un enfant à se faire vacciner? J'ai-tu le droit, moi? J'ai-tu le droit de bonnes Dès que c'est des groupes religieux qui pourraient paraître minoritaires, je pense que les autorités ils agissent pas parce qu'ils ont peur de se faire dire qu'ils discriminent, même une gang de fous comme ça. Frank, moi pis toi, là, on est-tu d'un groupe religieux? Non. Bon, c'est à soir, on dit à tout le monde dans le chat là, de faire quelque chose d'équivalent à ça. Là. On se fait arrêter? Ben oui, mais moi, parce qu'on n'est pas dans un groupe religieux. Je vois absolument rien de religieux dans sa cossine. Chris, ça se décrète le règne, là. Elle dit qu'elle a de la technologie extraterrestre, Chris. Il est où, Jésus, là? Ben, c'est une secte, en tout cas. Ben ouais, c'est ça, là. Tu sais, je comprends, là, qu'est-ce que tu veux dire, mais je comprends que c'est une secte aussi, mais regarde, à un moment donné, ils attendent quoi, que ça fasse un Waco canadien, style? Ouais, on dirait que oui. Moi, je te dirais que c'est pas mal ça qu'ils attendent. C'est souvent ça. Wanaba Waco. Wanaba Waco. le plus étrange, c'est qu'ils en parlent pas de Wabanaco, mais... Été arrêté ici même à Laval après avoir fait des menaces contre une école parce que l'école avait annoncé des mesures sanitaires contre la COVID. Donc, elle a une influence, elle a quand même
Plus de 50 000 abonnés sur Telegram. Son compte Telegram, exactement. Que tu as pu voir un peu les discussions, ce qui se dit là-dedans. Oui, exactement. Donc, la reine va publier là-dessus. Elle va faire ce qu'elle appelle des décrets. Donc, les gens prennent ça comme si c'était des vraies lois. Elle a même créé sa propre monnaie où elle invite les... Ça, c'est drôle. Elle invite les fidèles à lui envoyer leur argent canadien parce que, selon elle, la banque centrale n'existe plus. Donc, l'argent canadien n'est plus valide. Et elle leur donne sa propre argent qu'elle a elle-même imprimé. Les gens vont au magasin. Les gens vont au magasin, essaient de payer avec cet argent-là ou essaient de payer leur facture avec cet argent-là, ça ne fonctionne pas. Puis là, ben, ça fait partie du complot. C'est le gouvernement qui essaie de jouer contre eux. Bien sûr, avec des tristes conséquences. C'est fou. De tristes conséquences subies de plein fouet par des personnes bernées par Romana Didulo, des disciples ébranlés dont les témoignages et les appels à l'aide se multiplient. Christine Sarteski figure parmi les quelques experts qui suivent de très près les dérapages liés à cette mouvance. Christine Sarteski, merci d'être avec nous. Vous suivez depuis un bon moment déjà cette mouvance de Romana Didulo. Dites-nous, dans quel état d'esprit se trouvent ses disciples quand le huissier débarque, quand les banques, quand l'État est à leur trousse, comment réagissent-ils? Ils sont choqués. Ils disent, je pensais que c'était la loi du pays, que ce que Romana disait était vrai. Je suis choqué de voir que l'huissier est là. Comment peuvent-ils nous faire ça? Et donc, ils publient des messages sur Telegram et ils lui demandent de l'aide. J'ai vu des histoires vraiment tristes où les gens imploraient son aide. Et je sais pertinemment que Romana et son équipe lisent ces messages parce qu'ils en parlent tous les soirs, mais ils ignorent simplement les appels à l'aide ou demandent à leurs administrateurs de les supprimer. Le soir, ils ont un bulletin de nouvelles qu'ils diffusent. Cela dure une heure. Ils passent en revue tous les événements de la journée et ils lisent des messages qu'ils reçoivent sur leur compte Telegram. Je vais t'en parler, Labine. Mais ils ne lisent que des messages qui font l'éloge de la reine. Ils ne lisent rien qui la ferait mal paraître. Le plus récent chapitre de cette étrange saga est en train de s'écrire. Début octobre, Romana Didulo et une poignée de disciples arrêtent leur convoi dans une école désaffectée de la localité de Richmond, en Saskatchewan. Romana Didulo avertit aussitôt la mairie locale. S'ils ne respectent pas les décrets de la reine autoproclamée, des exécutions publiques auront lieu. Un avertissement qui ébranle cette petite communauté rurale. Everybody says there's no concerns, they're not a real threat, whatever, but when is the real threat going to come to fruition, whatever? Like, what does happen if something does happen to a kid? And then everybody says, oh, maybe we should have did something, and that's too late. I think that the temperature of the situation has been slowly rising. La tension est en train de monter. C'est très difficile de savoir ce qu'il va se passer. Je pense que les habitants de Richmond ne veulent certainement pas qu'elle soit là. Mais d'ailleurs, pourquoi et comment ont-ils abouti dans cette communauté rurale de l'ouest de la Saskatchewan? L'hiver approche et je pense qu'il est difficile pour eux, en véhicule récréatif, de continuer à voyager pendant l'hiver. Et c'est comme ça qu'à Richmond, un de ses partisans a répondu et a dit « J'ai cette école abandonnée, vous pouvez venir et rester avec moi, vous pouvez rester sur le terrain ». Je pense qu'il leur a fait cette offre et qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre option. Ils n'ont nulle part où aller. Ils se contentent de circuler. Sur le terrain ou dans l'école? Dans l'école. Dans l'école. Wenko, le prince de l'Apocalypse, disparaît avec ses disciples. David Koresh, 33 ans, et environ 85 de ses disciples ont péri dans les flammes allumées par deux de ses fidèles. Plusieurs ont fait le parallèle avec les événements de Waco en 93 au Texas, le suicide collectif des membres de la secte des Davidiens. Dans quelle mesure le mouvement ou la mouvance de Romana Didulo comportait-elle en elle-même ce risque de dérapage violent, d'actes et de gestes violents? Je ne pense pas que ce soit une secte aux idées suicidaires. Mais ce qui me préoccupe par contre, c'est qu'il suffit d'un seul adepte qui vienne en ville pour défendre son honneur.
I mentioned that they do those nightly news shows where they're putting out whatever stories they want the, their followers to hear. Dans ces bulletins de nouvelles qu'ils diffusent sur Telegram, ils passent au moins 20 minutes chaque soir à prétendre qu'ils sont victimes de la communauté de Richmond et que les citoyens les ciblent. Ils disent avoir été victimes d'actes criminels. They have specific crimes they think that they have been victims of. Ce sont des choses qu'ils essayent de faire croire à leurs partisans pour que les gens soient en colère contre la ville. Donc je m'inquiète toujours de la personne qui va venir de l'extérieur de la ville, un partisan, pour essayer de défendre l'honneur de sa reine. C'est ce genre de choses qui m'inquiète plus que tout. That kind of stuff that worries me. Les tatas du 6 janvier ont défendu Donald Trump. Comme Taïos. Même préoccupation, tu sais, c'est la même affaire que je dis depuis le début, tu sais, il y a une gradation, il y a une escalade, ça commence par quelque chose qu'on rit de, c'est ridicule quand elle débarque à Ottawa, Jesus loves you, puis tu sais, tout ce niais. C'est pas elle d'ailleurs qui avait brûlé un drapeau du Canada ou quelque chose, en tout cas. Bon, puis là, t'es rendu à... Tu sais, tu passes de « nous sillonnons la province, le pays pour aller à la rencontre des gens » à « on s'encabane d'une école d'un village qui a 118 personnes ». Ring a fucking bell? Ouais, ouais. Tu sais, même affaire, le bozo de Taïos, même affaire, là. On va se pogner une terre dans le bois, ça appartient pas à personne. On a le droit en vertu de la loi du droit international, patati patata. On va se bâtir une affaire, on a un moulin à scie quantique, whatever the fuck. Ring a fucking bell? Puis là, tout le monde y va de sa théorie, là, les policiers devraient faire ci, mais t'sais, comme un que j'ai lu, là, pis c'est pas pointer un en particulier, mais les policiers devraient fouiller les voitures qui rentrent là. Ben là, ils vont les poursuivre parce que c'est de l'abus de pouvoir. Les lois sont faites aussi pour protéger les gens. Ben pour te protéger toi. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est la communauté qui passe le message là, de « get out of our town ». Ben oui. Mais tu sais, malheureusement, ça prend souvent de la marde pour que ça. En fait, d'après moi, ça ring a bell quelque part parce que la GRC s'est installée là, c'est pas pour rien, c'est pour les surveiller de proche. Mais t'es-tu d'accord avec moi que si ça avait pas été, puis c'est normal que ça ait été la communauté, je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement, mais mettons, là, dans le mettons-verse, là. Mettons, il n'y a personne qui s'en fait trop avec ça dans cette communauté-là. T'sais, tout le monde est un peu éparpillé sur le territoire, puis tout le kit. Puis, il y a du monde weird dans l'école, blablabla. GRC débarque jamais là. Non, ben, c'est la même affaire que je dis. Non, mais c'est la même affaire que je disais ici. Tu te rappelles-toi en 2020, puis début 2021, comment est-ce qu'on n'était pas un peu indigné du fait qu'il n'y avait aucune autorité ici officielle qui savait c'était qui à Maliga, qui savait c'était qui. Tu sais, il n'y avait pas. C'est ça, tu sais, je veux dire, t'as boire, je l'ai compté 10 000 fois, m'en faire 10 000 une fois. Quelqu'un dont je suis proche, qui. J'ai envoyé une clip. De Cossette Trudel qui dit de Trudeau que c'est un pédophile, puis patati patata. Lui, il y a quelqu'un d'un ami très proche, il y a quelqu'un qui fait partie du PR team de Trudeau. Il envoie ça, puis il me donne l'assurance que Trudeau l'a vu à travers lui, puis à travers cette personne-là. Il savait pas c'était qui. Non, il savait pas. Hein? T'sais, tu vas me dire, ouais, mais là, tu fais un bout de ça. Oui, c'est correct, je comprends. Là. Puis là, peut-être qu'avons-nous très humblement contribué à faire en sorte qu'ils sachent c'est qui, peut-être, puis tant mieux. Mais ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus d'allure. Regarde, tout à l'heure, on regardait sur la taille des hommes avec Valérie Beaudoin. Valérie Beaudoin, c'est une fille qui est à la chaire, je pense, de l'UNESCO pour l'observation de ce qui se passe aux États-Unis. Puis elle ne peut plus aller sur Twitter. Parce qu'à un moment donné, elle a dit que. Elle fait un tweet qui parle de sa vie personnelle. Elle a raconté qu'elle s'était fait voler dans son véhicule. Tous les commentaires, c'est rien que ça que tu mérites, t'es contre Trump, puis blablabla. Ça n'a plus d'allure, ça n'a plus de sens, là. L'affaire, c'est que ce qui leur permet de dire que le Canada n'existe plus, ou le Canada, c'est une dictature, puis tout, on part à autre chose, puis ce qui fait qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font, puis de s'encabaler dans une école, c'est qu'on est une société extrêmement libre, puis ces gens-là ont des droits, dont le droit d'association. Fait qu'ils ont... La police, quand même, qui ring a bell, ils peuvent rien faire tant qu'ils font pas quelque chose d'illégal parce qu'il faut qu'ils respectent les droits de ces citoyens canadiens-là. Fait que, effectivement, il va falloir attendre qu'il arrive de quoi? Elle envoie un message à la mairie du village dans lequel elle dit que s'il respecte pas ses décrets, il va avoir des exécutions publiques.
Ouais. Là-dessus, c'est des menaces, puis c'est criminel, puis ça non plus, bon. Je comprends pas pourquoi. Moi, je pense que, ben, comme on a évoqué dans l'Express, c'est peut-être qu'ils ramassent de la preuve. Mais tu sais, pour ce qui est de s'encabaner puis dire des niaiseries, ils peuvent pas faire grand-chose, mais à partir de, c'est vrai, avec les menaces, ça tombe un peu, parce que les menaces, là, ben. Tu tombes dans l'illégalité, là. D'ailleurs, il y en a un qui est en prison en ce moment, là, parce qu'il a menacé des élus, là. Il y avait plus qu'un, en fait. Il y en a pas mal. Mais... elle, on dirait que c'est parce que c'est un groupe, une minorité de quelque chose. Là, ils sont gênés. Le gars de la... Ils amassent de la preuve puis on capote pour rien. Ça, c'est aussi. Le reportage qu'ils ont montré tantôt, là, quand on entend le maire de Richmond parler, c'est un reportage de la station locale de Radio-Canada d'une journaliste qui s'appelle Sam Samson. Okay? Elle est allée essayer de parler à Rick Mantz. Il a jamais répondu. Il débarque du char puis il crie son camp. Ah oui, elle a parlé avec le maire. On a vu l'extrait. Ah, ben, elle l'a montré dans l'Express aussi. Puis elle parle avec la GRC, puis la GRC, c'est bien, tu sais, on essaye de faire que ça respecte aussi la liberté de... Hey, Bodé! Elle dit qu'elle va exécuter du monde publiquement! Puis tes enfants, vos enfants, puis vos petits-enfants, calvaire, ça prend quoi? Pire que ça, elle incite ses co-sectaires à commettre des crimes et à faire des meurtres, parce qu'elle dit tirer à vue sur ceux qui vaccinent. Donc, elle dit à sa gang, elle ordonne à ses sujets, entre gros guillemets, de tuer des gens. Fait que, tu sais, c'est pour vrai, sur l'affaire des menaces, je comprends pas le laxisme des autorités, à moins que, puis je pense que c'est la thèse qui se tient le plus, c'est qu'ils sont en train de builder un dossier, puis que dès qu'il y en a un qui sort de cette école-là pour aller au dépanneur, il doit être suivi. Ah, pourquoi. T'as bien raison, Gilbert, c'est la même affaire que le Steve Maillet, que son sceptre en foil, là, dans l'église à Ottawa, là. Ah, même si c'est une affaire, là, voyons, tu sais, le propriétaire, il arrête pas, puis les propriétaires de la bâtisse, je me rappelle, j'avais fait un crachoir quasiment complet là-dessus, j'avais fait le topo complet avec les documents, tout le kit. Ils ont toutes les raisons de les crisser dehors à coups de pied dans le derrière. Mais non, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est parce qu'ils écoutaient, bien. On est d'où au Canada? Puis en plus de ça, à Tatawa, si je me rappelle bien, le propriétaire de l'église en question... Il leur chargeait un loyer qu'ils ne payaient pas ou peu importe. Ils payaient pas. Mais là, la différence, c'est que là-bas, le propriétaire du terrain et du bâtiment, il leur offre. Il est dans la gang. C'est ça. Fait que là, pire t'sais... que ça, l'affaire de la Cossin de Tatawa, là, tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Je me demande si c'est pas la gang de. Je me souviens plus, là, quelqu'un va me le dire dans le chat, là, le compte Twitter et Facebook, il y a le mot chat dedans, Cats, là, c'est des anglophones de l'Outaouais. Ils sont super fins, du moins, ils m'ont écrit une couple de fois, demandaient des informations puis tout ça. Ils ont mis la main sur le document. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, là. Puis j'écoute. Court Cats. Ouais, quelque chose. Court Cats, voilà. Il y a une affaire comme ça. Oui, c'est ça, le Court Cats. Oui. Fait qu'il y avait un document, il fallait qu'il monte patte blanche à l'effet que l'édifice était assuré. Fait qu'ils ont envoyé un document d'assurance. Sauf que eux autres, je pense que c'est eux autres qui ont trouvé ça, c'est que le document d'assurance, au moment où on se parle, à l'époque, il avait changé. Fait qu'ils avaient fait une espèce de PDF avec un ancien document d'assurance qu'ils ont faké d'avoir rempli, mais le nouveau document, il n'y a plus l'air de ça pantoute. Ils l'ont falsifié carrément. Genre. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, là, ça a juste pas de bon sens, là. Fait que Chris, à un moment donné, là, ça peut-tu être... Tu sais, là, regarde, là, on dit, là, ah, on est tout écœuré, puis le fil de l'humour, puis moi, je l'ai encore, le fil de l'humour, puis j'ai juste à fermer mes yeux, penser à Capitaine Cosmos, puis je ris, OK? Je suis capable de me remettre là-dedans. Sauf que, tu sais, à un moment donné, on n'arrête pas de dire, ouais, mais là, le monde sont écœurés, puis tout le monde a l'écœur en titre de tout ça. Mais oui, mais c'est parce que là, ça commence à s'accumuler, le baptême, là. Ils nous coûtent des fortunes dans les cours de justice. Ils peuvent dire n'importe quoi. Ils n'ont jamais de fucking conséquences. Mais toi, si ta caisse, ça balance pas de 50$, tu vas à part dans Christ ta job, par exemple. C'est clair. Au salaire minimum avec ça. Oui. Tu vis pas des dons là, du monde qui se font payer, qui se font réchauffer le cœur avec des cocombes et des sardines, calice. Mais moi, j'aime. C'est une société tolérante, mais quand c'est rendu qu'on tolère l'intolérable puis n'importe quoi. On est mou, là. Pour vrai, c'est n'importe quoi. Mais moi, j'aime. C'est ça, c'est un peu ça. J'aime quand même son concept de. Tu sais, l'argent canadien vaut plus rien. Envoyez-moi votre argent, puis je vais vous envoyer de l'argent Canadian Tire. Moi, ça me parle comme concept, ça.
Tu veux dire de l'argent à un dollar. C'est le prix à payer pour que vivre. Ça marche. Caléo qui dit c'est le prix à payer pour vivre en démocratie, comme on disait en 1940, pas besoin de virer nazi pour combattre les nazis. Ouais, non, je comprends. Je suis d'accord, là. Puis je suis pas en train de remettre en question, tu sais, toutes les infrastructures puis la structure sociétale qu'on a. C'est pas ça. Non, je suis pas en train de remettre ça en question. Je suis juste en train de dire que là, le jupon dépasse, là. Tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, c'est l'armement, là, c'est carrément la roue à frotte, là. Ouais. Tu peux traiter le premier ministre du pays de pédophile, tu peux faire des menaces de mort sur Facebook, puis c'est pas tout le monde qui s'est fait pogner. Tu peux tes adeptes de tuer du monde. Tu peux occuper un petit village de 118 personnes, puis les autorités peuvent rien faire. C'est correct, on vit dans une société de droit. Je pense que la GRC l'a bien dit. Regarde, on veut pas piler ça. Tu sais, on veut pas piler ses orteils de personne, puis on regarde ça, puis on suit la situation. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, tabasse-là, que ça n'a plus de sens, là. Ça a pas de bon. C'est plus une société de droit, ça, là. Non, c'est une idiocratie. Mais c'est aussi que, tu sais, c'est oui, ça fait partie de vos devoirs de respecter les droits de tout le monde. Mais ça fait partie, il me semble, dans la description de tâche de la police, de protéger le public, de défendre la société contre les menaces. Ça peut pas être plus clair comme menace, là. Shoot to kill, qu'on lit. Ah ouais. Ouais. Veux-tu répondre à No More Kiwi Bourbon ou je le fais? Oh, vas-y, moi j'ai juste ri. Ben, regarde, No More Kiwi. No More Kiwi qui dit, ici on échange notre cash puis notre temps contre des piments, ta gueule, Bourbon, tu fais pareil avec tout mon amour et mon ressenti. Ben, regarde No More Kiwi, la journée qu'on va te dire que tu devrais aller tuer du monde, arrête d'envoyer les piments. Okay. On fera pas ça. Ça, c'est déjà clair. C'est clair qu'on fera pas ça. Fait que tu vas toujours envoyer des piments. Si t'aimais pas ça, No More Kiwi, si t'aimais pas ça, tu serais pas ici, t'as Steve. Hey, c'est vrai, en parlant d'envoyer de l'argent puis des piments puis des ouais. Là, il y a des gens tantôt qui n'ont pas compris parce que Madame Saucisse, j'aimerais rappeler que mardi, lors de notre prochain CA, on va discuter et soumettre aux actionnaires comment on va gérer ça. Mais Madame Saucisse, c'est notre première actionnaire niveau 3. Là, je vais attendre. Je vais attendre qu'Alex ait fini de se péter bretelles. Parce que Mme Saucisse, le mieux que j'ai fait ce soir, c'est ceci. Fait que j'ai pimpé son bouclier avec des feux d'artifice pis tout. Parce que c'est notre première actionnaire niveau 3. Quand même. Ouais. Ça s'est passé. Ça. Moi, je suis fier de dire que ça s'est passé pendant ma YTV. Alors, ma commission sur la pyramide devrait être plus élevée. Ben non, j'ai rien dit. C'est la première. Oui, c'est un MLM d'amour. D'amour. Mais c'est pas une pyramide. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est une forme de main et de doigt rejoints dans le milieu. Ouais. C'est un triangle, pas une pyramide. Un triangle. Et parce que mon icône qui dit que je pourrais partir une publicité est actif, je remets le bandeau de Cracker Jack. Voilà, je pars une pub. la haute direction vous remercie de votre inébranlable confiance. Alex. Lui, là, il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on y jase à lui. On va prendre un meeting. On va faire un meeting. On va le passer. Merci, Josette. On va le passer dans le bureau. Puis là, on est à 475 points de party de sticker. Oh, ben là... Mais là, si vous me permettez, les amis, parce qu'il y a quelques semaines, on avait une guéguerre qui était bien en place. Martin, tu vas te tirer le bras, sortir ta feuille. De mémoire, je crois que Frank est en avance de un point. Exactement. Et juste pour être certain qu'il n'y a pas de triche, j'ajoute une nouvelle règle. À chaque question, je vais changer de la personne qui répondra en premier, parce que là, il y a déjà des grands stratèges qui ont dévoilé leur technique de trichage. Fait qu'on commence avec une première. Ce soir, il y en a plusieurs, il y en a 9. Et ça va être niaiseux. Oh, hey, attends un peu, faut que je trouve mon score, moi, là, parce que... Regarde, si j'avais un point de plus que toi, disons que c'est 1-0. Ouais, c'est 1-0. Ouais, ça va être plus facile, celle-là. 1-0. Ouais, mais là, ça détruit toute la nécessité que j'ai tenu le score sur une feuille. Moi, je suis pas capable de faire ça. Pour voir la réalité en face, Martin. Ou plus 1 comme au golf.
Ben, hey, vas-y, puis je vais essayer de le retrouver. Là. Oh, yeah, je l'ai. Celui-là, c'est exactement ça. Exactement ça. Le score, je l'avais tout normalisé. C'est Frank plus un. Ah, OK, bon, plus un. Je l'avais fait le grand reset. Fait qu'on commence avec Frank. C'est toi qui as le premier droit ou devoir de réponse. Les autorités de la Floride ont tué un alligator qui a été vu avec des restes humains dans la gueule. Pourquoi pas? Mettons que c'est vrai. Ça se peut. Moi, Moi, je dis que c'est faux parce que même s'il tue, l'humain, il reviendra pas. Là. Ouais, non, mais il aime ça trop découpable. Même au Québec, quand un ours graffine quelqu'un, il trouve. Moi, je dis que si on trouvait un alligator avec une Rolex autour de la dent, là, il est mort. Oh, chouchou. Bon, mais Frank est à plus deux maintenant parce que c'est effectivement très, très, très vrai. Ils ont retrouvé le corps d'une femme de 41 ans. En fait, le crocodile se promenait avec la moitié du bois de son tronc. Là, en tout cas, c'est juste ça. Parce que ça repose sur une croyance. Puis ils font ça avec les ours. Puis avec sur une croyance qu'on croit. Oh, là, il a goûté au sang humain. Il va en vouloir un d'autre. Hey, notre sang n'est pas spécial. Ben non, l'alligator, il a juste fait sa job. Lui, c'est mort. Il a mangé une proie. C'est tout. T'as même qu'à pas aller chercher là ta maudite. Mais moi, je considère que j'ai pas perdu parce que j'ai fait une crise de bonne joke. Bon, Frank à plus deux, prochaine réponse en premier à Martin Godette. OK. Une femme de 104 ans meurt avant que Guinness ne puisse confirmer son record de la plus vieille parachutiste. Avant. Ben, tu sais, c'est dur. C'est vraiment 50-50, parce que c'est dur de. Mettons qu'elle est morte en tombant, puis que quand elle est arrivée en bas, les gars de Guinness, ils n'ont pas pu. Ne puisse confirmer. Attends, une femme de 104 ans meurt avant que Guinness ne puisse. Pourquoi il ne pourrait pas Pourquoi il pourrait pas le rendre officiel son record? Ça change que soit mort. Vrai. Moi, je dis que c'est vrai parce que pour avoir un record Guinness, il faut qu'il y ait genre des représentants Guinness sur place qui attestent que c'est vraiment vrai. Tu peux pas t'envoyer une photo. Gars, je fais du parachute, j'ai 104 ans aussi au certificat de naissance. Mais ta photo est peut-être truquée, là. Tandis que moi, je pense que c'est vrai. C'est pas parce qu'elle est morte que ça s'est pas passé. Moi, je vais dire faux. Je pense qu'ils sont tellement stiffs sur la vérification de record qu'ils disent, tu sais, oui, on te croit, t'en fais du parachute, mais pour homologuer ton record, il faut qu'on soit là, puis qu'on y assiste, puis gnagnagna. Ben voyons, ça marche pas que tu dis, faut qu'on soit là, fallait qu'elle ressorte. Voilà. Oui, c'est ça, fallait qu'elle ressorte, puis qu'il y ait genre un représentant de ministre, genre dans l'avion ou en bas. C'est faux. C'est très pas faux. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais... Oh. Ça veut dire plus 3? Plus 3. Fait que les représentants de Guinness étaient sur place, mais quand la madame est arrivée en bas, elle était morte. Donc, j'avais raison, il faut qu'il soit sur place. Ils sont très, très, très stiffs. Oui, mais il était là. Il était là, Frank. C'est juste la madame est morte. Ça marche pas ton affaire de « il était pas là ». Il était là. Il était là. Non, j'ai dit que peut-être que c'était ça la raison, mais je sais qu'ils sont très stiffs. Fait qu'il était effectivement sur place, mais elle est morte. Il devrait y donner pareil. Depuis quand tu es obligé d'être vivant pour avoir un record? Son corps l'a quand même fait. Oh ouais, bon ben on remet le prix Guinness au corps de Mme Huguette Champoux. Attendez, gardez. Robert Wadlow, le 2,72 m, il est mort, fait que c'est plus lui qui a été le plus grand. T'sais, voyons, ça marche pas. Pour moi, il était vivant. Quand ils l'ont mesuré, il était vivant. Ben oui, mais elle était vivante en haut, calice! Imagine la cérémonie pour honorer la dépouille détentrice du record de parachutisme. Non, mais t'as un peu. Il était vivant. Quand elle sautait, elle était en vie. Le gars, il a toujours bien pas sauté qu'un cadavre. C'est parce que le record, c'est de sauter en parachute. Puis la définition d'un saut en parachute, c'est pas d'être crissé en bas d'un avion. Faut que tu ouvres le parachute. Elle a pas ouvert le parachute. Son corps a pas ouvert le parachute. Faut que t'atterrisses. OK. Bon, fait que là, ta question, c'est de la merde. Parce que, un,
t'as pas dit si elle t'entendait ou pas. Je sais pas, ma calice. Ah, proté. Plus trois, c'est moi l'arbitre. Oh, laissez-les, plus trois, mais il y a un proté. OK, Frank, c'est à ton tour. Il y aura un manège Taylor Swift à Disney World. Fuck yeah! Ouais, moi, je vois pas pourquoi il y en aurait pas. Là, tout le monde parle rien que de... Ils disent, il y aura. C'est pas, il y en a un, là, mais non, c'est sûr que... Ça peut être Bourbon qui a écrit ça, là. Ah ouais, OK, mais moi, je dis que oui. Ça fait plein de sens. Ça doit être vrai. Tout le monde trippe dessus. Puis... Ah oui, ben, il faut le satanier. Frank Paquette est toujours à plus 3, c'est fucking faux. Il n'y aura pas. C'est faux! Je ne parle pas dans 2000 ans, là, mais non, il n'y a pas d'annonce d'un manège ou d'un cossin de Taylor Swift. Dans 2 ans, tu vas voir, ça va être vrai. On donnera nos points. Ouais. OK. Ben là, de toute façon, ça ne changera rien. Ça ne changera rien dans le score. Non. Bon, Martin, c'est symbolique. Martin Godet, c'est à ton tour. Les combustibles fossiles sont constitués à 92%. Puis non, je sais que je l'ai déjà fait. C'est pas une crosse de... Non, c'est 93. Là. J'ai été charogne une fois, mais c'est pas le cas. De restes de dinosaures. M'a dit faux parce que je trouve ça élevé. Je dis faux parce que je trouve que ça n'a juste pas de maudit bon sens. Là. C'est 92%, ça prendrait beaucoup de dinosaures. Puis, je sais pas à quelle profondeur le pétrole, puis si ça correspond à, je sais pas, les périodes du Crétacé, whatever, mais je veux dire, des dinosaures, un, c'est pas la seule forme de vie qui a été là, même si on était là longtemps. Puis, je veux dire, c'est pas la seule affaire qui finit en pétrole. Si je me trompe pas, c'est plus des plantes qui donnent du pétrole. Faux! C'est faux, c'est pas 92, c'est pas 88, c'est pas 82, c'est pas 60, c'est pas 40, c'est pas 30, c'est pas 20, c'est pas 10, c'est probablement même pas 1%. C'est une légende urbaine, il y a même une compagnie de pétrole aux États-Unis, là, Sinclair, qui a leur mascotte, c'est un dinosaure, puis au Québec, on a la version Madrid 2.0. La majorité du pétrole, c'est des plantes. Ouais, ça marche pas. Ils seraient tous morts dans des concentrations pour faire des nappes de pétrole, là, puis ailleurs, il y en aurait. Non, puis tu sais, je vais utiliser l'exemple que j'ai entendu cette semaine. Un dinosaure qui tombe dans l'eau là, après la chute d'un météorite, là, il va se faire manger par toutes les bébites en tombant dans l'eau. Ben oui, puis c'est ça. Même s'il tombe à terre, là, les chances pour que ça chère... Ouais. C'est pour ça que des fossiles, ça peut être assez rare. On peut trouver des os, mais de la peau fossilisée, c'est rare en maudit. Il faut qu'il tombe genre enseveli par une éruption volcanique. Condition parfaite, exactement. Un jour de pluie, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que là, Frank Martin. OK, c'est au tour de Frank. Un vomitoire, c'est une salle que les Romains utilisaient pour vomir. C'est faux. Martin Godette. Ben, je pense que c'est faux, mais m'a dit vrai parce que Chris, faut que j'en ramasse, là. Fait que, regarde, je m'en calisse. Et je vais te dire la vraie réponse. Je sais que c'est faux, puis c'était des couloirs qui servaient dans les cirques, les arènes, où ce que les gladiateurs entraient et sortaient, où le public entrait et sortait. Le public. Pis, oui, ça s'appelait des vomitoires, mais c'était pas pour vomir. C'est généralement l'ouverture qui permet aux gens de quitter ou d'entrer dans un stade. C'est ça le nom. Ça n'a rien à voir avec les orgies, puis trop de bouffe, puis aller dans le vomitoire. C'était des vomitoriums. Là, ben oui. Ça n'a rien à voir. Plus 4. Oui, plus 4. Martin Godette. Le testicule d'un homme se retrouve dans son abdomen après un accident de moto. Faut que je dise si c'est vrai ou pas, ça, là. Oui. Ça, le jeu. Ah, merci, Frank. C'est une joke que je faisais. Moi, j'étais sérieux. J'ai mis une petite mosaïque sur le rayon X. Par où que tu veux que ça fucking pause? Par où que tu veux que ça fucking pause? Ça y est rentré. Ça y est rentré par quel trou? Ça il y a un gosse d'un guts. Ah, je vais dire faux. Je ne vois pas comment c'est possible. Ça va arracher, Chris. Ça ne rentrera pas. Je vais dire faux.
Je vais dire vrai, parce que je pense que ça peut être rétracté pas pire quand tu te fais vraiment mal. Puis je pense aussi que les testicules, tu sais, je suis un très, très jeune bébé, ou peut-être quand il est encore dans le ventre de sa mère, je pense qu'il était presque à la même place que les ovaires, puis s'ils finissent par descendre. Mais, fait que je dirais ben, que c'est comme, tu sais, regarde, là, moi, je vais te le dire, j'ai déjà fait ça, une hernie inguinale. Puis pour que ça rentre par là, parce qu'il y en a qui suggèrent ça, il fallait que ça soit ouvert avant, là. Okay. Les probabilités que tu te fasses une hernie inguinale, que le trou soit assez grand pour que ta couille passe dedans puis que ça rentre tout par en dedans, il faut qu'il y ait quelque chose qui a arraché. Là. Fait que moi, j'ai dit faux. Okay. Moi, je dis vrai parce que dans un accident de moto, ça arrive qu'il y a des choses qui arrachent. Quoi, il a mangé dans la gueule? Voyons, calice, c'est bien épais. Plus 5, ça s'est passé en Italie. Puis effectivement, le testicule du monsieur. Ouais, parce que c'est en Italie. C'est un Italien, c'est, ouais, c'est cool. ça y est pas remonté dans la gorge, mais. Non, il y a eu la Ducati dans le testiculi. C'est le testiculum ducatum. Puis l'histoire ne dit pas. C'est ça, l'histoire ne dit pas s'il y avait une hernie, puis ci, puis ça, mais c'est ça. Ah, oh, j'ai mal, en tout cas. C'est plate qu'on sache pas la vraie histoire. Mais là, faites vos recherches. Ben, non, moi, je serais curieux de savoir comment ça s'est ramassé là, Batin. Ça, j'en sais déjà trop. Bon, Frank Pocket, un vol retardé par un essaim de moustiques dans la cabine des passagers, c'est un vol au Mexique. Qu'est-ce que ça vient faire, le Mexique? Ben, je sais pas, ça me tentait de le dire. Y a-t-il plein de mouches, plein de zizi? Ah, ben oui, c'est au Mexique, ça se peut. Je pensais, je l'avais écrit. Il y a plein de moustiques indica que tu veux pas amener en Amérique. Je dis que c'est vrai, moi. Ben, moi, on m'a dit que c'est faux parce que je suis 5 en arrière. Je ne répondrai pas comme toi, certain. Là. C'est vrai. T'as des mots sur les mosquitos! C'était un vol entre Guadalajara et Mexico City. Plus 6. Ouais, plus 6. Ça va mal à la chope. Martin Godet, c'est à ton tour. Une girafe sans tache. En fait, je devrais dire une deuxième girafe sans tache a été découverte. Girafe sans tache. A été découverte dans une réserve. Ben, j'imagine que ça doit se pouvoir pas mal tout peut-être albino, fait que je vais dire vrai. Moi aussi, je vais être stratégique, je vais dire vrai. T'es une charogne. C'est effectivement. Ça se peut, il y en a des albinos, puis je pense que ça se peut, pourquoi pas? Ben, en fait, j'ai vu une photo, elle n'est pas albinos, elle est brune, tout le fucking long, elle a juste pas de tache de girafe. On est toujours à plus 6. Frank Pocket. Giraffes are not real. Faux, c'est un coup monté. Oh, oui, la oui, oui. Le papa, la bine, salut. Ben oui, puis les oiseaux, c'est des drones qui nous surveillent. Avais-tu ces taches dans l'abdomen? Ouais, elle n'a pas fait d'accident de moto. tiens, une petite dernière. Frank. C'est au tour de Frank. Moi, je peux te répondre tout de suite. Le contraire de Frank. Napoléon Ier était petit. Non, c'est pas vrai. Il était un petit peu plus grand que la moyenne des hommes français à l'époque. Ouais, je vais dire comme moi, de toute façon. Non, je disais le contraire de Frank, parce que je pourrais jamais gagner. Ah, game? Ben oui, mais j'ai pas le choix, Chris Frank. Je pourrais jamais gagner au jeu si je réponds à les gars. Fait que moi, je fais la martingale. Je vais toujours dire le contraire de toi. Okay. À un moment donné, je vais espérer que t'as une mauvaise soirée comme moi ce soir. Okay. Fait que plus 7. Plus 6. C'est-tu plus 7? Plus 7. Plus 7, ah non, OK. Il y a c'est raison. Ça. Il mesurait 5 pieds, presque 6, ce qui était en fait plus grand que la moyenne des gens à cette époque-là. Donc, de dire que Napoléon était petit par rapport à aujourd'hui, c'est peut-être vrai, mais par rapport au standard de l'époque, c'est fucking faux. Il y a un petit gogo en arrière de ces lunettes-là. les seules fois que je vais dire pas le compte à partir de maintenant, parce qu'il n'y a aucune possibilité que je récupère, fait qu'à partir de maintenant, à part quand je vais connaître la réponse, je vais tout le temps dire le contraire de Frank. Ouais, mais quand c'est toi qui commences, t'as des chances de l'avoir, c'est dit le contraire de toi. Ouais. Oui. C'est pour ça que... Ça, on s'en ira à 33% d'abord.
Ben, c'est la beauté de cette niaiserie-là, c'est qu'il n'y a pas de date de fin du concours. C'est ça, mais il n'y aura jamais de situation dans laquelle il va y avoir 7 points qui vont changer de bord dans une veillée, ben, à part si... j'ai pas fini ma phrase. À part ce moment donné, il y a quelqu'un qui a une soirée de marde, puis l'autre qui a une bonne soirée, c'est tout. Fait que... Et nous l'avons vécu ensemble. C'est ça, voilà. En parlant de vivre ensemble, parce qu'on vous répète souvent de clipper les affaires quand il se passe des moments un peu étranges, drôles ou juste fucking cave, comme... c'est bon ça! Ou si tu fais une soirée lutte. J'ai perdu une avance. Ouais. Mais connaissance générale, tu sais, le quelques pas de piège, une affaire de main. Mais là-dedans, il y avait des affaires tellement niaiseuses, je me disais... Chris, ça va être plate, il se fera pas un esti de points à soir, puis c'est la soirée où, c'est, où il s'est fait le ben plus non, de points. Ben non, mais c'est sûr que, tu sais, les autres fois, c'était déduisible. Mais une couille dans l'abdomen, tu sais, c'est une roulette, là. Ouais, les affaires, c'est juste que ça tombait sur des affaires que je savais. Comme je savais qu'il était plus grand que ses contemporains. Ben non, mais moi aussi, Frank fait pas le saut, mais je le savais, là. Sauf que, gars, moi, quand je prends une décision, j'y vais. Tu as sacrifié un point quand même pour respecter ta parole. Voilà. Pour avoir raison. J'étais un gars de même. Ah non, c'est juste parce que je l'ai dit. J'ai dit que j'avais dit que je... La question n'était pas posée. Je dis le contraire de Frank. Ben oui, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je me suis permis de donner l'explication. Tiens, parce qu'on a clippé ça tantôt. Et que c'était très drôle. Ça a même laissé place à un sticker. C'est donc bien drôle, ça. Je suis donc bien flou. Ben, t'étais gelé, surtout. Ben oui. Non, ben, gelé. Ah, peut-être. Oh, c'est que... Hey, là, j'ai gelé sur gelé, là. C'est peut-être la Corivo. C'est craqué, hein. Ah, là, il aurait juste manqué... T'as peu. Ah, ouais, c'est vrai, là. Là, c'est rendu que t'en as 250. Là, j'en ai mis 4 ça. Différents. Ben, j'étais tanné d'entendre tout le temps le pouet, pouet, pouet. Tiens, je vous propose, je sais pas si vous avez d'autres affaires, mais moi, j'ai 2 petits chemtrails rapides. Puis on va finir là-dessus. Puis on serait dû de faire une course puis de donner un bouclier. Ça fait longtemps. Ben oui, je suis d'accord. Ça fait longtemps. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais j'imagine des commentaires de Maillet. Oh, tabarnak. Des nuages. Chris, c'est un Star Destroyer. mais le pire... C'est vrai! C'est le Star Destroyer dans la pire contre-attaque de dessus. Ouais. J'adore ça. Le pire, c'est que j'en ai déjà vu dans ce genre-là. Je descendais à Québec, puis j'étais à hauteur de à peu près Saint-Apollinaire, puis ben, dans ma vision, là, ça veut pas dire que c'était au-dessus du fleuve. Il y avait l'équivalent de ça au-dessus du fleuve, c'est comme... My God, tu sais, j'ai jamais vu ça, mais là, tu sais, c'est juste fucking drôle. En tout cas, c'est bien filmé en tabac. Ah ouais. Ouais, vraiment, là. Celle-là, check ça, gars. Une preuve. Ah, ben oui. Ouais, une preuve. Grosse preuve. Quand est-ce qu'il pète le feu d'artifice? Ah, c'est un. Moi, quand j'étais petit, là, genre 7-8 ans, là, on regardait ça, puis on tripait à regarder ça des chemtrails, puis personne parlait de chemtrails. Quand est-ce que c'est devenu. Des chemtrails, à part d'où la conspiration de Ben, nous autres, on pensait que c'était des jets, là. Ben, on était du cave, hein? Avoir su qu'on se faisait empoisonner avec l'aluminum. L'aluminum. Pam, pam, pam. Il nous chaud du graphène dans la bouche. C'est un peu, là, il y a un cadavre de 104 ans qui va descendre. Ça semble devoir le gars de Guinness, il est là, ils sont pad, ils sont Kodak, tout. Ben, nous tenons à féliciter la dépouille immortelle de Madame Tartampion pour son saut en parachute. Ben, mais il n'y a rien qui dit qu'elle n'est pas dans le livre Guinness. C'est peut-être le plus vieux cadavre à avoir tombé sur Terre. Oui, ça se peut.
C'est épouvantable. M'excuse. J'avais pas de cœur. Moi, j'aime bien mieux ta moins 7. Je l'ai défendu, la madame. Moi. Oui, j'ai défendu. Puis la couille aussi. Tu dis une couille, il va pas se loger là. Et pourtant, ouais. Elle t'a trahi. La madame a descendu, puis le monsieur, sa couille a monté. Ouais, ouais, à remonter. Testicoli Ducati, c'est une condition assez connue. Ducati. Oh oui, testicoli Ducati, c'est une maladie connue. Hey, là, il faut que je me relogue sur Nitro parce que. Ah non, oh non, okay, c'est correct. J'ai pas besoin de token. Ah, peur. Ça va peut-être te prendre. Non, ouais, c'est ça. Moi, je respecte les défunts. Fuck you. Putain. On vous aime, madame. Ouais, tiens, gars, Gournois dit, Martin, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Après ça, on m'accuse d'utiliser des effets sonores. C'est dégueulasse. Tiens, l'histoire le dit pas, beau Derek. Non. Fait que là, j'ai placé la course. Vous tapez. Je sais pas si je peux encore. Je sais pas s'il demande des preuves vaccinales à son école de parachutisme. Ça a été compliqué, Anastie, tout, hein? Tout se reloguer sur tous nos comptes parce que tous nos dispositifs, mettons, qui étaient branchés à Twitch, moi, ouais. Ça a tout déconcrissé. Là. Ouais. Attends, moi, je sais, je joue. C'est ma soirée chanceuse, je vais peut-être gagner ça aussi. Ben ouais. Toi, tu devrais jouer, oui. Oui. Tu vas gagner. Moi, je cherchais un 640. La montre pétée. Ouais. Dis ce que tu veux. Il y a du savoir dans cette caboche-là. Ben, il n'y a jamais personne qui a dit le contraire, Frank, voyons. Ben, non, mais je te demande pétée. Ben ouais, mettre là, ciboire. OK, je vais à partir de maintenant jusqu'à la fin, avant toute phrase, je vais dire c'est une joke, Frank, avant. Non, mais si tu me vous vois, par exemple, ça va être correct. Non, si tu me vous vois. Là, profite-en de ton beau moment. Là, ben, j'aime ça. Vas-y. On va faire pareil la semaine prochaine. Milk it for all its worth. Vas-y. J'adore le lait. Bon, fait que là, on est à... J'adore le lait. On est à 49 joueurs. Je vous rappelle que vous avez le droit de jouer, même si vous avez déjà votre bouclier. Et si vous gagnez la course, comme Frank Pocket et Martin Godette, on va prendre le suivant. Et tiens, oui. Parce qu'on est cave et que Martin est moins 7. En fait, je fais deux boucliers parce que mon dernier est très magnifique. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans que je sois moins 7, là? Arrête, là. Mais j'aurais pu dire parce que le ciel est bleu, là. Ouais, dis donc ça. Arrête, il est en train de raccrocher à lui. Ouais, Martin va nous faire un premier rage quit dans l'after show. Non. Il n'y a aucun danger que ça. Oh, la belle époque, puis aussi l'époque où il y en a qui s'est kické out involontairement. Ah oui, oui, ouais, on a déjà vécu ça. C'était ouais, bon. C'est le kick-out show. Oui, c'est ça. On est rendu avec un bon vieux temps, tu sais, dans notre communauté. On a vécu ça vendredi soir. Samedi matin, oui. Dans les faits, rigueur calice, à 1h35, on a vu ça. C'est Cosmos qui est venu dans le premier kick-out show de Touski TV. Ah, OK, tu voulais... OK, je comprends pas. C'était samedi matin. Non, mais c'est parce qu'on parlait pas de la même affaire, parce que on a eu aussi... On s'est remémoré bien des affaires aussi dans la nuit de samedi à dimanche. Effectivement. Puis, tu sais, on a atteint le seuil où est-ce qu'il y a des gens qui font partie de cette communauté-là depuis très longtemps qui se rappellent pas de certaines affaires. Tu sais, on est rendu là. Oui. C'est quoi son nom, lui? Tu sais, ça, avant, ça n'existait pas. Là, ça arrivait jamais. Là. Ah, on a un ancien temps. Dans le bon vieux temps. Dans mon temps. OK, fait que dernière chance, point d'exclamation, PLY. On part ça. Oui, embarque. J'ai-tu de la musique d'ascenseur, moi, pas loin de... Je peux te la faire si tu veux. Là, tu reviens. On recommence. Tu vois, regarde, c'est la même tune que moi. Ouais. Un petit bossa nova. Gros punch, hein? Le Ben capote à ce moment-là, il s'en regarde tout. C'est un organisme. Ah oui.
Un organiste. L'orgue dans un orchestre de rock. Ah, ah, tu vois, d'habitude... Ah non, c'est vrai, c'est pas ici, ça. Ah non, ouais. Non, je vois pas mon char, comme d'habitude. C'est à moins 7. Mon char n'existe pas, c'est ça. Mon char, il est moins 7. Oui, le mieux que j'ai fait, moi, c'est le quatrième. Non, mais c'est important que je me remémore c'est quoi le sentiment de la défaite, tu sais, vu que ça m'arrive pas souvent. Ben, je suis là pour ça, mon ami. C'est important, tu sais. C'est calme. C'est important, ça me rappelle l'humilité, c'est très important. Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup à soir de l'humilité, là, mais c'est important quand même. Non, mais tu sais, quand t'es dans le top 10, tu te la pètes un peu, là, genre sixième. C'est ce soir qu'on se rend compte que Martin était un mauvais perdant, mais que Frank était un crise de mauvais gagnant. Non, moi, je suis un gros morceau d'humilité. D'ailleurs, j'ai déjà gagné un concours d'humilité. J'ai mon trophée ici, là, de l'homme le plus humble, là. Tu le cherches? Ouais, ben écoute, tu sais, moi, je suis tellement humble que mes trophées, je l'ai. Un trophée de l'homme le plus humble, ça c'est drôle. Je suis un des hommes les plus humbles. C'est un peu contre-emploi. Le pire, je pense, c'est que Donald Trump a déjà dit ça. Là, I'm very humble. Ben, ma quote préférée de Donald Trump, c'est « J'en ai fait plus pour la religion catholique que Jésus. » Ah oui! Ça se moue pas. Hey! Je pense que vous avez suivi ça. Il a dit for Christianity. Ça se traduit moins bien, le christianisme. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais au Colorado, il y a des gens qui sont en train de faire des démarches pour l'invalider des élections carrément pour plus qu'ils soient sur les ballots à cause que ils veulent prouver qu'il a fomenté une sédition ou qu'il a apporté aide et réconfort à des gens qui étaient séditieux. Puis la première étape, c'est-à-dire que là ils demandaient à ce que ce soit entendu pour qu'il soit enlevé des bulletins de vote au Colorado. Et le clan Trump voulait que le juge rejette cette cause-là. Mais la cause a été acceptée cette semaine. Fait que ça aussi, c'est à suivre. Au Colorado. Ah, c'est ça. Il y a un organisme national qui s'occupe de ça. Ils ont spoté le Colorado, peut-être parce qu'ils disaient des bons juges démocrates, je sais pas. Mais ça commence comme ça. Là. Puis la première étape est faite. C'est ça, c'est accepté. Ça veut pas dire qu'ils ont eu raison. C'est comme la fédélata pouette, tu sais. Ils sont tout contents de s'être fait donner la permission, de demander la permission d'aller en appel. C'est beau, ça. Oui. Ouais, sauf que d'après l'analyse que je voyais d'un juriste, il disait que ça avait des chances d'aboutir à quelque chose de significatif. Là. Au Colorado. Au Colorado, ouais, sauf que si au Colorado, ça va faire « Justice for Donald! » C'est un organisme national. Ils ont décidé de commencer avec l'État du Colorado. Ouais, il y a sûrement une raison stratégique là-dedans. Là. Fait que le gars que tu viens de dire qu'il avait des chances, tu parlais pas de la fédélata pouette, tu parlais du Colorado. Ben, le gars qui disait que ça avait des chances de réussir au Colorado, c'est un analyste. OK. C'est parce que tu as dit ça après avoir... Après qu'on ait parlé de la fédélata pouette. Ouais. C'est parce que je pensais qu'on avait lu d'autres choses. Non, il ne faut pas confondre. Il était de retour au Colorado. Ouais, c'est ça. Mais je pars pour le Nebraska! Dano, il est en tête. Madame Litchi. Oh, Dano! Oh, on a deux premières positions qui n'ont pas de bouclier. Dano et Madame Litchi. Fait que, les bien. Amis, vous n'avez qu'à m'envoyer... Le malsain qui dit « Non! » dans troisième. Fait que Danouille et Madame Litchi, vous m'envoyez par Facebook, par tout ce qui, par whatever, ça va faire son chemin vers moi, je vous le garantis. Ce que vous voulez sur votre bouclier, et là, je ne parle pas de « J'aimerais que le pixel à droite ait la couleur, telle couleur et le mot avec la police de caractère Times New Roman ou Comic Sans. Vous m'envoyez ce que vous aimez, ce qui vous passionne dans la vie, une citation, votre sport préféré, une thématique, et je vais faire quelque chose pour vous. Le pogo du peuple. Il y avait des gyrophares, celui-là. Oui, le pogo du peuple. Peuple. Oh, Cosmos qui est de retour. Fait que Martin, close-nous ça qu'on décalisse.
Check bien ça. Bye. Bye. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Ça peut, je vais me faire inscrire une grille. J'essaye de closer, là. Oui, je viens d'essayer de le faire. Ah, OK. Qu'on est maillé. TV sur Twitch.